Torah Kouf Pebet 182. Mash da shekol mashaolam medabrim basfira bechol yemei asfira. Et medabrim rak measfira shel oto hayom. À la sfira ta'omer. Si vous avez vu dans le comptage de la sfira, tous les jours il y a une sfira. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait, pour expliquer ça vraiment très simple, Hachem il a créé ce monde avec 10 forces. Des forces qu'il avait en lui, il les a sorties et avec ça il a créé le monde. Alors les 10 sphirotes, on peut les couper en deux. La première partie c'est la tête et la deuxième partie c'est le corps. Mochin, midot. C'est-à-dire mochin c'est chorma binadat ou alors keter chorma binat, ça dépend. Et les midot après c'est les caractères. Caractères. Chesed, Dvoura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Malchut, elle est neutre. Elle reçoit de tout le monde. Avec ces 10 forces-là, Hachem il a créé. Maintenant, les 7 sphirotes dernières, qui sont les traits de caractère, on a en nous ces traits de caractère. Quand un homme, Chas Veshalom, il faute une faute, alors la faute, en fonction de la faute, elle va dans un endroit spécial d'une des sphirotes, et ça fait là-bas un endommagement. Alors un homme, Chas Veshalom, un petit exemple. D'accord. Toutes les passions sexuelles, ils font tomber où le pgam il est en haut dans le ciel. C'est où que ce qu'on endommage dans le ciel. Alors, si c'est le brit, c'est Yesod. Le Yesod, l'avant-dernière sphira, c'est elle là-bas où il y a une grande. Mais quand c'est un pgam abrit qui est plus fort, qui est dans la tête, des mauvaises pensées ou alors des choses comme ça, etc. Ou en général, c'est chesed. C'est quoi chesed en réalité? Chesed, c'est la bonté. C'est de donner. Quelque part, le gamma brit, c'est aussi de donner. Tu fais sortir quelque chose que normalement, ça t'appartient à toi. Et il appelle ça, Rabbeinu, kli shivrei kli achesed. C'est-à-dire, c'est le chesed dans le ciel. C'est quoi? C'est de donner, c'est de partager, c'est de faire du bien avec tout le monde, etc. Mais ça, c'est dans le bien. Mais dans le mal, tu veux être partout. Quand tu prends le chesed dans le mal et tu le fais descendre en Ishtal Shelut, tu le mets dans des endroits où ils sont pas bien. Il faut pas donner trop partout. Il faut savoir à qui il faut donner, combien il faut donner, comment ça fonctionne. Et comme ça, c'est dans l'état à vote. Donc la racine dans la racine, tu es pogem dans le yesod, tu es pogem dans le chesed. Quand un homme, Chas Veshalom, il tombe dans la colère. Alors c'est quoi qui fait comme bgam? Dans la gvoura, dans la rigueur, parce que là-bas c'est la rigueur, mais d'un autre côté dans Netzar, parce que Netzar c'est la victoire, tu veux gagner, tu veux imposer, tu veux dire c'est moi qui ai raison. Donc tu t'énerves, donc tu envoies des flèches, tu détruis, Chas Veshalom, les forces, pas les forces, mais c'est-à-dire les lumières que Hakadosh Baruch Hu il a fait rentrer. Et ainsi de suite, quand un homme, chaque chose, chaque avéra, chaque trait de caractère, chaque fois que tu veux juger quelqu'un, chaque fois, c'est toujours un inyan comme ça qui est toujours Chas Veshalom qui touche une sphira. Normalement, quand un homme, Chas Veshalom, il fait un problème. Et quand tu fais les mitzvot? Alors pareil, la même chose, tu répares, tu crées. Et quand un homme, il fait de la tzedaka, il crée le chesed. Quand un homme, il a envie de faire une tahava, et il est hyper chaud, et il essaye de s'efforcer, mamage, de ne pas tomber. Ça s'appelle de la gvoura. Il est en train de donner la force dans la gvoura. Il arrive à faire rentrer une force aussi dans le netzar, parce qu'il arrive à gagner. Quand un homme, il reconnaît la bonté d'Hachem, c'est Od. Oda, il fait de la bonté d'Hachem. Quand quelqu'un, il aide quelqu'un d'autre, il répare le yesod, parce que yesod, c'est donné, c'est le tuyau, c'est... Et ainsi de suite. Toujours, on répare, on casse, on répare, on casse. Maintenant, le problème, c'est qu'on a fait des paquets des paquets Chaval à l'Azman. D'accord? Donc nos sphirotes à nous dans le ciel, ils sont vraiment problématiques. Et jamais on peut savoir comment je peux repartir à zéro. J'ai envie de tout réparer, je veux repartir à zéro. Comment on fait? Il y a un truc pareil? Comment on reste à zéro. On reste. Ça veut dire, comment on peut faire en sorte que. Il y a 10 sphirotes. Il y a 10. 10. Mais il y a 49 jours d'eau. Alors voilà. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Alors on enlève les 10, on a dit, parce qu'il y a les mochines, il y a la tête. La tête laisse en haut. Dans la tête, il n'y a pas de bgam. On a dit. Chorma binadat, tu ne peux pas faire un bgam là-bas. Parce que là-bas, c'est Hachem, c'est des choses qui sont très très élevées. Donc le bgam, il est où? Que dans les 7. D'accord?
Mais... c'est pas que dans le Keter qu'il n'y a pas de gamme. Non, dans les Mohrin, normalement, il n'y a pas de gamme. Parce que dans la Shvirat Kelim, il n'y a pas eu de Shvirat Kelim dans Chokhmah Bina Dat, il n'y a eu que dans les 7. Il n'y a jamais eu de gamme dans le. Que dans les Midot. Voilà. Par contre, il y a des Averot que Rabbeinu il dit que oui, il y a un gamme dans les Mohrin. Mais c'est des autres choses déjà. C'est déjà plus. C'est Chas V'Shalom, des gammes de Emouna, des gammes de. Quand c'est contre Hachem directement, c'est vraiment. Ça, c'est les Mohrin. Mais on ne parle pas de ça. On parle de tout le monde. En gros, les caractères, les envies, les choses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça c'est chez Hachem Yitbara. Mais personnellement, comme il y a deux forces, le bien et le mal, donc toutes les sphérotes que nous on a, c'est aussi 7 dans le bien, 7 dans le mal. D'accord? Quand tu fais des bonnes choses, tu rends la chose bien comme il faut, tu la mets cachetota, c'est-à-dire tu la maquilles. Et quand Chas V'Shalom, tu fais des mauvaises choses, alors tu trous. Donc tu as une colonne de bien, une colonne de mal. En vérité, les deux, ils sont bien. C'est juste moi, parce que je fais des choses bien et des choses mal, que je me en suis créé. Mais en vérité, les deux, ils sont toujours bien. 7 fois 7 égale à 49. Le Ari HaKadosh, il dévoile un secret qui est énorme. C'est quoi? Il dit, il y a 7 jours et 7 semaines. Chaque semaine, elle a une sphira. Et dans la semaine... elle est composée aussi de 7 sphirot. Par exemple, dans la semaine de Chesed, dans Chesed même, il y a Chesed, Chesed Chebe Chesed, Chesed Chebe Gvura, Chesed. Ça c'est quoi? C'est les traits de caractère encore plus approfondis pour voir un homme où, jusqu'à où il peut... Et qu'est-ce qu'il dit le Ari HaKadosh? Il dit le Ari HaKadosh que pendant la Sphirata Omer, les 49 jours du Omer, en vérité, quand les Bnei Israël ils étaient en Égypte, ils ont détruit toutes les sphirotes de A jusqu'à Z, jusqu'à la dernière de la malchoute. Il restait malchoute chez Bemalchoute. Si Chas V'Shalom, ils auraient pogem, ils auraient endommagé la malchoute chez Bemalchoute. C'est quoi malchoute? La royauté. Malchoute chez Bemalchoute, c'est de dire qu'Hachem, c'est lui le roi. S'il serait arrivé à ce point de dire que Hachem, c'est plus le roi, ça s'appelle les 59 portes de l'impureté, et là, on serait tout le temps en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a vu qu'on a été pogem dans toutes les 49 portes de l'impureté. Alors vite, il nous a fait faire sortir, il nous a donné de la emouna, on est monté de niveau dans la malchoute. Et là, on a eu... Maintenant, on a compté 49 jours pour recevoir la Torah. Pourquoi 49 jours? Pour réparer tous ces 49, cet arbre-là. Tous les 49 pour que quand on reçoit la Torah, on puisse avoir des sphirotes, chacun, c'est-à-dire nos forces, nos caractères, de l'avoir top comme il faut. Donc là, Rizal, il dit... Cette chose-là se répète même aujourd'hui. Quand aujourd'hui on compte la Sphirat HaOmer, on a la possibilité, le jour même, de réparer. Aujourd'hui c'est Netzar chez Begvura. On a la possibilité de garder la Netzar chez Begvura. Par exemple, Gvura, c'est quoi? C'est la rigueur. Netzar, c'est la victoire. Quand un homme, Chas V'Shalom, il a envie de faire quelque chose très fort, il a envie de faire une tava, ou alors il a envie de s'énerver, ou alors il a envie de une gvoura, quelque chose de gvoura. Et ce jour-là, il a la possibilité de vaincre même la gvoura, netzar shem gvoura, de vaincre la gvoura. Donc aujourd'hui, c'est un jour où tu peux tomber dans un endroit très spécial et le convaincre, le gagner en fin de compte. Mitgaber. Quand un homme, il arrive à être mitgaber, netzar shem gvoura, bam, t'as réparé, mamash, un trait de caractère énorme de tout. Pour que Bezrat Hashem à Shavuot, on arrive au Shaharanoun, Malchut, Shebe Malchut, Malchut Hashem, Hashem il descend et il nous donne la Torah. C'est ça en fait ce que nous on doit faire. Maintenant Rabbi Nachman il a dévoilé une Torah qui est un petit peu pas très compréhensible. On va voir le Kitsur Likute Moharan, le Likute Etzot, le Etzot Mevoharot. Les trois ils disent les mêmes mots un après l'autre. Aucune explication, aucun conseil, on ne sait pas exactement qu'est-ce que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit quoi? Il dit, sachez une chose, tout ce qu'on parle pendant la Sphirat HaOmer, tout ce qu'on parle, tu vas parler avec ta femme, avec tes enfants, avec nous, au téléphone, avec le travail, les trucs. Il dit, sans que tu saches, dit Rabbeinu, sans que tu saches tout ce qu'on va te parler, toi, ton patron, même un chiloni, il ne sait pas lui ce qu'il va dire. Il dit, sache que si tu es fin d'esprit, tu auras la possibilité de voir comment tout ce qui parle, c'est la Sphirat d'aujourd'hui. C'est la Sphira d'aujourd'hui. Maintenant, il faut connaître chaque Sphira. C'était Gvoura hier ou quoi? Hein? C'était Gvoura hier. Toute cette semaine, c'est Gvoura. Allez, salut. Salut.
Au contraire, je dis que tu peux le vendre. Rendez-vous la semaine prochaine. Seul, on peut le casser. Tout de suite, à tout de suite, j'arrive. Et ça, Bémet, c'est ça. C'est... Mais imagine-toi quand c'est la semaine de Netzar, la semaine de Rabbeinu, ou la semaine de Yesod, de Tikkun Abrit, c'est des semaines qui sont énormes, etc. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ça sera Tiferet, la Torah, le Enyan, c'est... Ça veut dire que c'est des choses... La semaine prochaine, rendez-vous la semaine prochaine, c'est Tiferet. Tiferet. Là, on est Gvoura. Là, on est Gvoura, donc Tiferet. Allez, c'est bon, merci. Netzar. C'est quand? Netzar, c'est aujourd'hui. Netzar, c'est avec Gvoura. Il y a Rabbeinu. Ah voilà. C'est ça ou maintenant? Ce soir c'est Ode, c'est Oda, c'est le remerciement. Allez, le soir, remerciement avec soir. Chaleur, avec. Pesrat Hashem. Alors mais qui sont mes amis projets, hein? Tous ils ont des projets, ils disent mardi. Ouais. C'est un scrout, hein, que t'as. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils essayent Yoshua Binoun. Aujourd'hui, regardez, on a parlé de Yoshua Binoun. Il a gagné les 31 sur Courage et Benetzar, maman. Et voilà, on a parlé. Sans qu'on sache, tu verras, chaque jour, si tu arrives à découvrir. Faut faire attention, en fait. Mais oui. Mais, attends. Alors maintenant, Rabbeinu, il dit comme faire. Ça. Chez l'Otaï, ou Michéou Mevin, un homme qui comprend un petit peu chaque sphéra, qu'est-ce qu'il dit. C'est des choses qui sont simples, c'est écrit dans plein de livres, ces choses-là. Yuchalishmoa veleidazot. Il pourra entendre et connaître ça. Ça veut dire, là, avec qui il parlera même, il va acheter du lait. En bas, il parle avec la macolette. Il parle de la sphéra d'aujourd'hui. Apparemment, on comprend quoi? Que mamache, la sphéra du jour même, c'est ça qui englobe mamache tout. Ça veut dire, ça influence tout. Tous les hommes, les gens. Même tu allumes la télévision, ils vont mettre un film ou quelque chose de... Avant-hier, hier, c'est ma team à la sphéra même de mamache. Ça veut dire, c'est... Et ça, c'est ça la définition des midot toute l'année. C'est quoi des midot quand Hachem il avait sur ce croûte qui s'est cassé, des midot, les midot, c'est ça, c'est ces mesures-là, tous les jours il y a ça. Ouais, mais on peut pas les réparer. Ils sont pas à toi. Voilà, non, on peut peut-être pas savoir. Non, ils sont pas à toi. La gâchette, comment on dit, tu n'as pas accès à eux. T'es juste connecté avec eux, mais t'as pas accès avec eux. Tu peux pas les réparer. Non, c'est quelque chose que... Tu fais un travail... Tous les jours de l'année, à part ces 49 jours. Oui, mais c'est un travail sur toi. Les sphérotes, ils sont pas toi. Ils sont au-dessus de toi. Tu reçois par eux. Et là, aujourd'hui? Aujourd'hui, à la sphérata Omer, ces tuyaux, ils sont à toi. Ils sont à toi. Tu au fais... niveau pratique? Pratique, tu fais ce que tu veux avec eux. Si tu vois qu'il y a des choses, des problèmes, etc., tu peux retaper, tu peux tout refaire. Pendant les 49 jours de la sphérata Omer, Hachem, c'est comme si il vient et il dit, tu sais qui tu es? Ton trait de caractère, t'es une tête de mule, t'as un têtu. Ben, je te donne toutes les clés de ta création à toi, fais ce que t'as envie. T'as 49 jours, ça, fais ce que tu veux. Ça, c'est en faisant la bracha le soir quand tu comptes ou il y a une action à faire dans la journée? Non, ça c'est surtout quand tu fais la bracha, la Sfirata Omer, et tu es Mechaven quand tu fais la Sfirata Omer. Aujourd'hui, je fais descendre la Gvoura chez Benetzar. Et là, tu sais qu'il y a la Gvoura chez Benetzar, mamach. Et... tu peux utiliser ça à travers les sphérotes et tu peux réparer par rapport au passé. C'est au futur et au passé. C'est comme tu choisis. C'est dans tes mains. Tu fais ce que tu veux. Il y a un livret. Nachon. Ouais, il y a un livret qui parle de... En hébreu. C'est le Rav Daniel Frisch. Non, je sais pas celui-là. Non, ils ont sorti un petit feuillet, les Breslev. Avec chaque jour... Comment tu peux... Alors, il y a aujourd'hui un livre qui s'appelle Usfartem Lachem, du Rav Daniel Frisch, lui qui a fait le Zohar Matok Midvash. Il a écrit un livre où il donne là-bas, Mamash, je crois que c'est le meilleur, Mamash le meilleur, il donne l'explication de chaque sphéra déjà, qu'est-ce qu'elle veut dire. Ouais. Et deuxièmement, c'est quoi le travail qu'il faut faire pour être bien par rapport à la sphéra. Donc, c'est déjà très très bien. Maintenant, il y a un autre livre qui est encore meilleur que celui-là, un Chassid Breslev d'Amérique, qui a écrit ce livre-là. C'est je ne sais pas s'il est sorti ou pas. Non, là, j'ai vu un mois où c'est selon les 48 kinyan de la Torah. Non, c'est pas ça que je parle. Ça aussi, je voulais l'acheter d'Afra et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Et il a fait un livre où il a regroupé de tous les sifrei Rabbeinu, tous les inyanim d'après les sphirotes. Il met donc, ça sort des Likutei Etzot, des Sefer Amidot, des Likutei Moharan. Et le plus beau de tout ça, ce qu'il a fait, cet homme-là, c'est que tous les jours, il a trouvé dans tout le Likutei Tfilot la Sfira qui appartient. Donc tu lis Torah ou Tfila
par rapport à la Sfirat HaOmer. C'est le top niveau. Il est où ce livre? Il est tout petit, c'est un livre bleu. Non, c'est un livre quoi, c'est un livre, c'est pas un feuillet. Oui, c'est un livre. C'est un livre. Mais petit format. Petit format, oui. Vous l'avez? C'est Mamache, c'est une très belle. C'est un grand travail qu'il a fait le monsieur. Parce que Bémet, il faut faire une très grande recherche de trouver où Rabbeinu il parle dans l'écouté de Philo, dans les Inyanim. Et tu arrives à découvrir c'est quoi la chose qu'il faut que tu travailles pour réparer la chose. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, tu auras un Nisayon, par exemple, dans le CAS. Tout de suite, il te dit Ribbono shel Olam, Zakeni Lolichos. Donc, tu prépares tout le problème avant et ça y est, tu répares le Inyan. C'est très. Mais bon, ça, c'est pour nous donner une petite idée. Mais là, Rabbeinu, il dit quoi? Imiate ozno etev. Et alors là, Rabbeinu, il dit comme ça. Ok, tu nous as expliqué la Torah. Alors maintenant, il dit Rabbeinu, si tu tends ton oreille bien comme il faut, les sipourés d'Ivrem, des histoires qu'il raconte à droite, à gauche, Ishma, il va entendre, Shehem et Dabrim, rak me asfira shel oto hayom. Tu verras qu'il te parle que de la sphira de la journée même. Et voilà que la Torah, elle s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Torah? Ça nous emmène où? Est-ce que c'est bien de le faire? C'est pas bien de le faire? Est-ce qu'on sait le faire? On sait pas le faire? Qui connaît aujourd'hui toutes les sphirotes? Qui connaît aujourd'hui tout? Qu'est-ce qu'il faut mettre en application dans cette Torah? C'est une Torah en entière qui parle de la sphira Tomer. J'en fais quoi avec cette Torah? Là, tu es dans le Kitsour? Non, Torah, écoutez Moran, Torah Kouf Bébet. Alors là, écoutez Moran. Dans le Kitsour, il dit la même chose. Kol Mashaola Medabrim Basphira Bechol Ime Sphira Motamo. Hem medabrim rak masfira shel oto hayom umi sheish mevin yochal lishmoa veleda motamo. Après tu prends l'écoute et sot kol ma sha'ola medabrim kol motamo. Après tu prends sot mevarot kol ma shanashim medabrim masfira enem medabrim motamo. J'ai quatre livres qui répètent les quatre les motamo. Alors où il y a le c'est quoi la etza là? C'est quoi la etza? C'est quoi que Rabbeinu il veut bemet nous parler dans ce inyan là? Alors, Baruch Hashem, il y a un chidouche énorme. Il y a un chidouche qui nous donne une explication vraiment, vraiment très grande à ce sujet-là. L'explication commence par une autre question. Un juif, il est obligé de répondre toujours par une autre question. L'autre question, c'est, si vous avez vu dans le Sidour, quand on compte la Sfirat HaOmer, il y a des lettres. Ouais. C'est quoi ces lettres? Plein de fois, les gens ils disent, c'est quoi? Il y a une fois un mot, une fois une lettre. C'est quoi ce... L'âme natière. Alors voilà. Il y a écrit que David Améler, quand il partait dans le combat, il avait un chérion, comment dire, un bouclier. Et dans son bouclier à David Améler, il était fait comment, le bouclier de David Améler? Alors, il était fait en forme de... Magen David. C'est-à-dire la... Triangle en haut, triangle en bas. Ça, tout le monde le sait, d'accord? Mais c'était pas ça le vrai Magen David. C'était quoi la vraie Magen David de David Améler? C'est sur le bouclier, il y avait gravé l'âme Natsar bin Ginot Miz Morshir en Menorah. Maman, comme on fait le matin. C'était ça son Magen. Quand il allait en combat, c'était pas juste un bouclier fait comme les Romains à l'époque. Il avait gravé dans son bouclier l'Amnatser bin Ginot Miz Morshir en Menorah. En plus de la Magen David? Oui. La Magen David, c'est pas important. Le plus important de la Magen David, ça les gens ils sont plantés complètement. La Magen David, c'est un lien qui est pas... Il y a des explications dessus. Mais le vrai Magen David qu'il y avait dans la Magen David, c'est le Lamnatsear. La vraie protection. C'était exactement. C'était le Lamnatsear en Menorah. Écrit d'une façon très spécifique. C'est quoi ces lettres-là que tu parles? Non, là. Oui, Ya'er, Chet, Yemincha. C'est quoi tous ces trucs-là là? Tu sais pas ce qui se passe? Plein d'êtres. C'est Sagvenou. Sagvenou. Et c'est Bakol. Et c'est Vav. Et c'est Vav. C'est quoi Sagvenou? C'est quoi Bakol et c'est quoi Vav? Sagvenou, ça c'est le Anna Bechoar. Anna Bechoar, c'est pas ça, on parle pas de ça. On parle de quoi? De Bakol et du Vav. C'est quoi le Bakol et c'est quoi le Vav? Bakol c'est l'Amnatsar. Bakol c'est l'Amnatsar. Amnatsar bingat mizmorjir et le mechonu yvachenu yapanavitanu sela la dat barez tzarkecha. Bechol. D'accord? Maintenant c'est quoi le Vav à côté? À part. C'est le Vav du mot. Alors, à part. Quand tu comptes le Lamnatsar bin Ginot, donc 49.
Lettre. Maintenant, le Shamash, il est spécial. Ismechu viranenu leumim kitishpat amimishor ou leumim baret stanchem sela. Il faut celui-là qui soit tout le temps au milieu. Tout le temps. Pourquoi? Et ça, écoutez, mes amis, parce que si tu changes le lamnatsar, il fait pas ça, ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, c'est vraiment. C'est-à-dire, il faut, comme c'est écrit, il faut que le ismechu viranenu, voilà. Il faut que le ismechu viranenu, il soit au milieu. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi? Là, c'est un chidouche de Rabbi Nathan. Il dit parce que toutes les lettres qu'il y a ici, c'est pour bien mettre, c'est un magen, c'est-à-dire c'est un bouclier qui te sauve de beaucoup de choses. Mais il faut savoir deux choses, il dit Rabbi Nathan. C'est quoi la première lettre du semisme-mort? L'amenatser. Ça veut dire quoi? Pour gagner une victoire, l'amenatser, kedelenatser, il faut faire quoi? Il faut se mettre à Ismeru, dans la Simra. Ismechu viranenu leumim ki tishpat amim mishor. Si tu veux gagner le combat, l'amnatsear, il faut le ismechu. Le ismechu, il est tellement important que, à part chaque mot que tu prends, le ismechu, chaque lettre, il est aussi 49 lettres. Et quand on a vu le vav, c'est le ismechu du vav. C'est-à-dire, en plus des lettres que tu mets dans l'amnatsear, chaque lettre, il faut 49 lettres. Un jour c'est l'amnatsear, un jour c'est binginot, un jour c'est mizmor, un jour c'est shir. Mis à part ça, le ismechu, il est aussi fort que le mizmor en lui-même, tout en entier. Parce que ce ismechu, il a 49 lettres. Et il faut avoir la kavana de chaque... Maintenant, Rabbi Nathan... Ah ouais, c'est le vav de Iranenu. Voilà. Ça veut dire que tellement il est important qu'en plus... Comment t'as compté 11 lettres, 11 lettres à partir de ismechu. C'est le vav de Iranenu. D'accord. Donc maintenant... Regarde ce qui se passe. Mais quand t'arrives, il y a 49 lettres sur le milieu? Bah, il te l'a dit, ouais, j'ai pas compté, je crois. Oui, bah, c'est une, chacun, regarde bien. C'est une dans chaque. Ismechu, viranenu, leumim, kitishpat, amimishor, leumim, barestanchem sela. Maintenant. Barestanchem sela, il est plus à la verticale. Ouais, mais c'est. Il faudrait normalement qu'il soit? Non. C'est ça qui maintient, quoi. Ok. Combien? Je suis arrivé à 47. 47. Donc, alors il faudrait compter le. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Attends, Oulomim Baret, c'est en train de. Je me suis trompé, hein. À deux près, c'est possible que je me sois trompé. L'homme échané. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le collègue? Non, c'est... non, parce qu'il y a dans chaque. Là où tu comptes. Tu vois, mamage. Peut-être quand tu enlèves le lac Bahomer, parce qu'il n'y a pas de dinim à lac Bahomer et Pessar Chené. S'il manque deux, peut-être c'est eux deux là qu'on enlève. Mais il faudrait voir. En tout cas, il y a un livre en entier qu'il a écrit le Maharam de Lublin. Tu te rappelles le Maharam de Lublin? Le Marshal, pardon. Le Marshal. Celui qui est enterré en haut. En haut de la petite montée. Quand on monte. Ouais. Les Chassidim Bressev, quand ils faisaient vidéo de Varim, c'était en haut. Chez le Talmid Chacham Amiti. Le Marshal, il a écrit un livre qui s'appelle Or Pnei Amenorah. Un livre en entier qui découvre tous les secrets qu'il y a dans l'Amnatser. Peut-être je vais l'amener dimanche. Tous les Lamnatser Binguina, tout ce qu'il y a dedans, des secrets énormes. Il dit, c'est énorme de le lire au moins une fois par jour. C'est un truc de... Alors maintenant, Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial de... avec la Sphira? Parce que la Sphira, Maakashak, la Sphira. Alors c'est vrai qu'on le dit à Obirkat Amazon, on le dit à droite à gauche, etc. Mais le Inyan qu'il y a avec la Sphira, de compter les 49 mots et le prendre le Ismechu et le mettre dans chaque truc, c'est quoi le Inyan? Alors mes amis, il y a une autre Torah dans l'Ikuté Moran, que cette Torah elle s'appelle Zamrou Lemi Shemenatsri Noto. Rabbeinu il dévoile un secret énorme qui n'écrit nulle part. Hachem Idbarar, sa plus grande Tahava. Son plus grand désir et plaisir qu'il a d'Hachem Idbarar, tu sais c'est quoi? C'est quand on arrive à le gagner. Quand on arrive à le vaincre. Dans la prière, quand tu pries, tu dis Hachem. Mais moi, je me suis renforcé, j'ai pris sur moi. Et tu ne me montres pas ta face. Où tu es ta face? Comment tu me laisses tomber? Je vais tomber dans des tahavot. Ne me laisse pas tomber dans des tahavot. Il dit Rabbi Nachman, quand on parle à Hachem, pas Hasvé Shalom méchamment, mais on lui parle des mots qu'on arrive, Kaviachol, à le gagner. À le convaincre, à le mettre sur le mur en lui disant Hachem, c'est écrit dans la Torah, tout celui qui fait ça, Marichin Yama Vushnotav, où ils sont, mes amis, mes méchanim, voilà c'est écrit, comment? Rabbi Nachman il dit plus que ça, il dit tellement Hachem il aime ça, c'est quoi? C'est que c'est Hachem lui-même qui envoie des paroles comme ça pour que nous on lui dise ces paroles-là dans l'Ibbo des Doutes. Et il dit dans tout. Où on apprend le Nitzachon, il dit Rabbeinu, d'où on apprend qu'il faut vaincre Hachem Idbarar. Non, alors, d'où on apprend ça, il dit Rabbi Nathan.
Il dit de David Ameler dans tous les Lam Natsear. Parce que les Lam Natsear, c'est quoi? C'est là où il a vaincu Hachem, Lam et Natsear. Comme ce Mizmor, c'est un Lam Natsear. Donc on apprend quelque chose de nouveau. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est qu'à la Sfirata Omer, il y a un Inyan qui est très fort. C'est d'essayer de vaincre Hachem Itbarach dans les prières, dans les mots. Mamash. Mais nous, on ne sait pas faire ça. Alors il dit Rabbi Ephraim de Pshetbourz dans Shar Ephraim, un chidouche qui est super beau sur cette Torah-là. Il dit Rabbi Nathan, maintenant je vais vous expliquer c'est quoi la Torah Kouf-Pé Bet. La Torah 182 où Rabbeinu il a dit tout ce qu'on parle dans la Sfirata Omer, tu verras que si on entend partout, on parle tous de la Sfira de Sfirata Omer. Il dit vous voulez savoir c'est quoi le Pshat? Le Pshat il est très simple. Quand on va aller dans la forêt et qu'on va faire Itbo des doutes, tout ce que tu vas parler dans ton Itbo des doutes, ça sera de la Sfira d'aujourd'hui. Tu vas réparer toute ta Sfira d'aujourd'hui. Et il dit pendant les 49 jours de Itbo des doutes, c'est tellement important de faire tous les jours parce que tous les jours, tout ce que tu vas parler, que tu le veuilles ou pas, tu vas le réparer à fond. Parce que Hachem Itbarach lui-même, là on parle d'Hachem, que Hachem lui, il arrive à voir dans nos paroles la Sfira qu'il y a aujourd'hui. Donc, quand tu vas aller dans l'Itbo des doutes, tu vas parler des paroles, tu ne sais pas exactement ce que tu vas parler. Tu vas proposer ton problème d'une autre façon, tu vas parler des choses, tu vas demander, et tu vas parler des choses que tu n'as pas envie. Tu ne sais pas pourquoi tu parles. Rabbeinu, il dit, dans la dernière Torah du Likut Moran, les paroles qu'un homme sort de sa bouche dans l'Itbo des doutes, c'est Bechinat Roi Hakodesh Mamach. C'est un Roi Hakodesh. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toi, en fait, tu dois faire qu'une seule chose. Tu dois juste te coordonner pour faire Itbo des doutes, te fermer dans une chambre, aller dans la forêt, mettre de talit sur ta tête, rentrer sous ton coussin, et toi tu dois juste te préparer et te dire voilà maintenant Hachem je vais commencer à parler. À un moment où tu fais ça, tout ce que tu vas parler, tu vas réparer toutes tes sphirotes. Parce que jusqu'à maintenant tout ce qu'on fait mes amis, c'est kulehai veulai. On essaye de lire ça, en fait nous on demande Hachem fais en sorte que je répare la sphira de Gvura chez Benetzar. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as réparée. Par contre, là, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est que si tu vas faire Itbo des doutes ce jour-là, toutes les paroles que tu vas sortir, ce sont des paroles automatiquement qui vont monter dans le ciel et qui vont réparer toutes les sphirotes. C'est ça la Etza de cette Torah-là. Donc la Etza de cette Torah-là, c'est quoi? C'est la Kpid de faire Itbo des doutes. Pourquoi? Parce que quoi qu'il se passe, tout ce que tu vas parler, que tu le veuilles ou pas, toutes tes paroles seront des réparations pour la sphira de là où tu as été pogem. Donc si un homme, il les aurait... de faire Itbo des doutes les 49 jours, quand il vient à Shavuot, il vient bleu, blanc, rouge. Il reçoit la Torah à la perfection. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait avant, c'est pas grave. Il faut prendre dès maintenant. Parce que, comme le Midrash dit, un homme qui a perdu une première somme d'argent, est-ce qu'à cause de ça, il va se dire, alors je vais perdre tout le reste qu'on va me donner? Non, prends ce que tu peux prendre. Alors pareil dans l'aspirateur Omer. Alors si peut-être on a raté un jour ou deux jours, l'on aura, mais ce soir, demain soir, après-demain soir. Et c'est ça le chidouche énorme que Rabbi Nathan, Rabbeinu, il dit. C'est au moment où un homme, il arrive à essayer de pouvoir parler, qu'est-ce qu'il a envie qu'il parle. Maintenant, des fois, non, on ne va pas faire attention, mais il faut savoir une chose, que tout le conseil, c'est pour ça qu'il dit « da ». Il dit ici « da » en commencement. C'est-à-dire c'est une Torah qui descend déjà de très 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 haut. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une parole « regardez, entendez ». En vérité, toute cette Torah, on l'applique dans l'Itbo des doutes. Quand un homme il parle avec Hachem, ce qu'il parle avec Hachem, c'est en fonction de la Sphira qu'il y a à la Sphira Tom. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Déjà, ça, c'est un ridouche énorme, mes amis. Ça, c'est un vrai ridouche de pshat. Parce que ça, jusqu'à maintenant, on ne comprend pas le pshat. Ce qu'on pourrait dire, d'après ce que tu dis, c'est que quand on dit Yate et Tozno, c'est que genre comme si Hachem Itbarach, ouais. Il est matin. Oui, cette Torah, elle a été dit sur Hachem. En fait, là, ils te disent que Hachem, il fait. En fait, c'est lui qui l'entend. Ouais, parce que nous, qu'est-ce que nous, on parle. Ouais, parce que nous, qu'est-ce qu'on peut. Parce que toi, ce que tu vas raconter à Hachem. Non, toi aussi, tu entends ce que les gens ils disent qui correspondent oui, à Hachem. Oui, mais toi, tu vas comprendre que c'est la Sphira. Mais ça t'emmène à quoi? Qu'est-ce que tu t'en fous? On pourquoi dit, alors, on t'a dit, ça t'amène à quoi? Ça t'amène à pouvoir le réparer. Non, toi-même, quand tu entends maintenant, on parle, quelqu'un parle, et tu vois la conversation, ah, Gvura chez Benetzar, ouais, aujourd'hui on est Gvura chez Benetzar, voilà, c'est tout. Et alors je sais, et alors? Je sais que je suis dans le Netzar, je vais oui, tenter des choses, parce que j'ai plus de chances de réussir que la veille. Entre c'est toi et moi. Oui, mais bah, si on a la Emouna de ça, ça marche. Mais là, il n'y a pas le conseil concret comme Rabbeinu nous le donne. Il nous dit, là, cette Torah, c'est comme si Rabbeinu dit, ah, vous savez les gars, je vais vous dire un petit secret. Tout ce qu'on parle par la Sphira, c'est la Sphira Tomer. Hein.
Et ça ne peut pas être dit à Etsa, justement, de alors prendre conscience. Alors apparemment, non, ici, tu ne vois pas de Etsa. C'est pour ça qu'on a besoin du Shara Ephraim. Shara Ephraim, qu'est-ce qu'il vient? Il te dit, mais tu n'as pas compris. Cette Torah, en fait, elle ne te parle pas de ça. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. C'est quoi? Comme toute la Sphira, elle est basée sur l'Amnatser bin Ginot Mizmorshir. L'Amnatser, c'est quoi? C'est de vaincre Hachem Itbarah. Le travail, c'est quoi? Comment on le fait? Avec Ismechou Viranenu, c'est-à-dire avec la Simra. Alors, quand un homme, il va prier, faire Itbodedou, toutes les paroles qu'il va sortir dans l'Itbodedou, ce seront les paroles qui lui appartiennent à lui-même. Mais, mes amis, tout le temps, notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à où il va le pgam. Nahon ? On ne sait pas, nous, où on a été pogam. Ouais. On ne sait pas, on ne sait pas. Des fois, il y a des choses qu'on... Il dit Rabbi Nathan, dans la Torah, nous ne vavent la majorité des chataïm d'un homme, il n'est pas au courant de cela. Parce que nous, on croit que c'est que les grands et les... Mais en vérité, on ne comprend pas que les vrais chataïm, c'est des fois un sourire que tu n'as pas fait à ton ami. Et de là, tout est parti en sucette. Des fois, on ne sait pas. Ou des fois, tu fais la gueule à ton beau-père ou alors à ton beau-frère. Ta belle-mère. Ouais. Et toi, tu te dis, c'est rien du tout, qu'est-ce que c'est? Et en vérité, tu ne sais pas que ça, ça a enchaîné, ça a enclenché plein d'autres choses. Donc en vérité, il dit, Rabbeinu, tu ne sais pas où tu es pogame. Donc jamais tu pourras faire tes chouva. Ce conseil, il te dit quoi? Il te dit, juste va faire Itbodedou, tu vas voir que dans ta bouche, tout seul, ça va sortir les mots, tout seul, sans que tu le comprennes, où tu vas réparer tous les endroits là où tu as fait du mal. Tout seul. Maman, sans rien du tout, rien. C'est ça la beauté de Rabbeinu. C'est que Rabbeinu, il te dit, t'as pas besoin. C'est ça que tu me dis. Exactement. Chaque jour, en fonction de la sphira. Donc Shabbat, c'est Shabbat, tu le prends, exactement. Mais il est là. Exactement. C'est comme si il disait, sache que ce moment-là, il existe. Voilà, il est là. Si tu veux, tu peux le goûter. Si tu veux pas, la prochaine fois. Vu comme ça, c'est un vrai chidouche. Bah, c'est un chidouche. Mais maintenant, il y a plus que ça encore. Et encore plus que ça. La cerise sur le gâteau. Il dit, Rabbeinu, il dit, ça c'est pas le Shara Ephraim. Ça c'est déjà un peu plus haut. C'est quoi? C'est Rabbi Israël. C'est Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, comme il a l'habitude, sans ramener, c'est écrit, on pose la question, ça voudrait dire quoi? Mais puis tout, Rabbi Israël, il dit, mais puis tout, voilà, je vais vous dire un petit. Rabbi Israël, il a dit, comme ça. Il a dit, vous voulez savoir pourquoi la Sphira Tahomer? Tout le monde parle qu'on est Metaken, tout, etc. C'est pour qu'on sache que ça existe des moments dans la vie où tu peux BMET réparer tout. Il dit, mais dès que tu as compris ça BMET, il dit, après, tu n'as plus besoin d'aspirer à ta mère. Toute l'année, puisque tu as compris le concept, sache que quand tu vas dans la forêt et que tu pries, toutes les paroles que tu vas dire, c'est en fonction de ce que tu as besoin par rapport à tous tes gilgoulim, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as été pogame, par rapport à ce jour, par rapport à toutes les personnes que tu as vues, par rapport à tout ce que tu as dit avec tes copains, tout ce que tu vas dire dans l'île des doutes, ça envoie des flèches dans tous les côtés et ça les répare exactement comme dans la sphère à ta mère. Ah, alors si tu me poses pourquoi la sphère à ta mère, c'est juste pour que tu saches que ça existe. Mais dès que tu as compris que ça existe, c'est comme ça toute l'année à chaque fois que tu vas faire l'île des doutes. Ah. Je t'explique ce que ça fait, Itbodedou. Et Rabbi Israël a dit ça? Sarah, c'est Rabbi Israël qui l'a dit. Si tu crois que ça marche dans la sphère à ta mère, pourquoi la sphère à ta mère? C'est pour que tu saches que ça existe un moment que BMET, tu peux réparer dans tous les endroits. Ça existe. Il y a 49, c'est un moment propice, etc. Il dit, dès que tu as compris ça, maintenant sache que comme ça existe, quand un homme il va faire Itbodedou, tout ce qui sort de sa bouche dans Itbodedou, comme on a dit que c'est pris la Torah Hakodesh, en fait, ça fait ce même travail toute l'année. Tout le temps. Mais là, c'est encore plus fort. Parce que comme tu as compris que ça fonctionne, t'as la Emouna dans la Sphira Tahomer, cette lumière, elle va se propager dans toute l'année. À chaque fois, tu vas faire Itbodedou, tous les mots que tu vas dire, toutes les paroles, c'est en fonction de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as parlé, de tout ce que tu as pensé. Et toi, tu dis des choses que tu n'as pas pensé que tu vas aller dire. Des fois, tu parles à Hachem, tu dis, bon, j'ai un problème là. Et d'un coup, tu commences à partir et à parler de ça. Et toi, tu comprends pas pourquoi ta tête, elle t'emmène à droite, à gauche. Laisse faire. Parce que là, le tzadik, il est en train de t'emmener dans tous les endroits. Alors toi, après l'Itbodedou, tu ressors, tu dis, oh là, quel shakshuka que j'ai fait aujourd'hui. Je lui ai parlé de ça, je suis revenu, je reparlais, j'ai fait, je l'ai embrouillé, mon Hachem, je l'ai complètement embrouillé. Toi, ce que tu sais pas, c'est que, non, tu as juste remis en ordre ce qu'il fallait, chaque chose à sa place. Ça, c'est Rabbi Israël. Donc maintenant, on a une petite compréhension. De qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est grâce à quoi, mes amis? Au Mizmor, Lamnatser, Minginot, Mizmor Shir. Que le secret du Lamnatser, c'est quoi? C'est Ismechou. Comme Rabbeinu, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit, Rabbeinu, comment on peut faire Itbodedout? Comment on peut faire Itbodedout une heure de Lev Nishbar?
Si tu as si 23 heures de simcha, tu peux faire une heure de cœur brisé. Ça veut dire que tout l'itbodedout, il dépend de quoi? De la simcha. L'amnatser, bingdino. Tu peux pas être besimcha sans passer par l'itbodedout. Nahon, les deux, en même temps. Nahon. Maintenant, c'est ça le pshat. L'amnatser, bingdino. Comment je veux être l'amnatser, Hashem Itbarach, grâce à Ismechou? Parce que vous savez, mes amis, que la menorah dans le Beth Amikdash, toutes les flammes, ils étaient tous dans le. Vers l'axe principal. Du milieu. Donc, l'axe principal, c'est lui le plus important. Et c'est quoi l'axe principal dans le Lamnatsear? C'est Ismechou Veiranenu. Ismechou Veiranenu. Ranenu, c'est maman, c'est pas juste être content, c'est maman, je suis une vraie. C'est le but de Itbodedout, c'est lui Ismechou. Ismechou, le but, c'est les sept canons-là. C'est-à-dire, c'est toujours ce concept-là. C'est pour ça le Inyan de Sfirata Omer, d'un côté, vous savez, la Sfirata Omer, aujourd'hui, on parle que c'est un temps de Avlout, c'est un temps de deuil. Mais dans la base, c'est pas un temps de deuil. C'est qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, c'est un livre de Shulchan Aruch, hein. C'est pas un livre de Moussar et de Yirat Shamayim. Chas v'shalom, ça veut dire c'est pas un livre de Moussar, oui, c'est un livre de Halakha. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rambam comme Halakha? Les cassés, ça veut dire. Il dit comme Halakha le Rambam. Il dit le Rambam, Sfirat HaOmer, tout le Sfirat HaOmer, c'est comme un long Chol HaMoed. Et la fête finale, c'est Shavuot. Ça commence de Pessah, et c'est toute une continuation, et il dit, c'est Mamash Chol HaMoed. C'est Yamim Shel Chol HaMoed, Yamim Shel Simcha, il dit. C'est une halakha. Maintenant, il s'est passé un problème. C'est quoi qui s'est passé? C'est que pendant ce temps-là, il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il manquait de l'amour l'un avec les autres. Encore une fois, c'est le Inyan de Nadav Aviou, c'est le Inyan qu'on n'est pas marchiv. Son ami, on veut toujours monter sur le dos de son copain, l'écraser pour que je suis un très grand, etc. Donc on voit encore une fois que tout le problème, c'était quoi? C'est qu'il n'y avait pas assez de Havat Raverim, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas... Surtout le point, c'est quoi? Il y a écrit. Parce qu'il faut savoir que c'était des Tanaïm, c'était des vrais Tzadikim, c'était pas Stam des... Il y a écrit qu'une des choses que c'était, c'est quand ils disaient leur DA dans leur opinion, d'abord ils disaient leur opinion personnelle, après ils disaient l'opinion de son ami. Par contre, tu vois dans la Gemara, entre Beth Shammai et Beth Hillel, à chaque fois, Beth Shammai dit d'abord Beth Hillel, après Shammai, et Hillel toujours il dit d'abord Shammai. C'est pour ça que Machloket, Shammai, Hillel, Rachetevot, Moshe, c'est les Shem Shammai. C'est la seule machloquette qui était les Shem Shamayim Behemet, parce qu'ils aimaient, ils s'adoraient, ils se mariaient l'un avec l'autre. Ils étaient mamash, ils habitaient l'un à côté de l'autre. Maintenant, les élèves de Rabbi Akiva, eux, ils se sont dit, l'essentiel, c'est que le Limoud Torah, celui qui a plus de Limoud Torah, il est plus du feu, il est plus fort, il est plus tzadik, il est plus... Kadosh Baruch Hu, il a dit, une Torah comme ça, je veux pas. Et il a fait en sorte que les 24 000, ils sont complètement partis. Comme les 24 000, ils sont plus partis, donc le tikkun de Sfirat HaOmer d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les arbotes, c'est augmenter la Hava Traverim. Donc il y a une yann spéciale, mes amis Bémet, d'essayer de faire un peu plus de Hava Traverim l'un avec les autres pour réparer les élèves de Rabbi Akiva. Et Bezrat Hashem, c'est... Il y a un kinyan à Hava Traverim, je crois, dans la Torah, non? Il y a 10 Bouk Traverim. 10 Bouk Traverim. 10 Bouk Traverim. Ah. Dans les 49 acquisitions de la Torah dans Pirkei Avot, dans le Perek Vav. Il y a 48 Darkei Torah, ouais. Belimoud, Beshmiya, Shmiya Tozen, etc. Ouais. Alors il y a écrit dans le Shla Kadosh que pendant les 49 jours de la Sfirat HaOmer, il y a aussi une Ségoula très grande d'acquérir une Ségoula, comme ça dès que tu as acquis les 48, voilà, dès que tu as acquis les 48, le 49e jour, c'est Shavuot, tu reçois la Torah. Et là, tu acquis la Torah, Bémet. Tu t'es vraiment préparé pour recevoir la Torah. Donc il faut étudier tous les jours une... Ça, c'est le livret qu'on a c'est dit. C'est ça, le livret. Lui, il te dit, dans les paroles de Rabbeinu, il a parlé de voilà, Talmud, de l'étude. Et il a ramené le Sirchot Aran, le Likutei Halachot, pour que tu sois maqné dans le chemin de Rabbeinu. C'est une très belle idée, ça. Celui qui l'a fait, c'est une très belle idée. Et comme ça, un homme, il arrive à acquérir la les Torah, les chemins de la Torah pour qu'on puisse et une des choses c'est Bémet, c'est 10 Bouk Raverim, parce que sans les Raverim c'est quoi la dernière c'est quoi la dernière, je sais pas,
La tfila ? Non, c'est de dire la Torah de quel, à qui elle appartient. De ramener d'où ça. Ah, Omer Davar Bechem Omro. Omer Davar Bechem Omro. C'est pas de ça. Il a fait. Omer Davar Bechem Omro. Exactement, Chazak. On conclut, tu veux dire en conclusion ce qu'on a dit ? Donc, pour conclure, mes amis, le travail qu'il y a à faire pendant la Sfirat HaOmer, le maximum, mes amis, c'est d'essayer de beaucoup parler avec Hachem. Parce que tout ce qu'on va parler avec Hachem pendant les Sfirat HaOmer, Hachem, il va t'emmener à réparer ta propre Sfira de la journée en elle-même. Et tout Netzar, ce que tu vas. Non, aujourd'hui, c'est quoi le. Netzar, je sais pas que vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Oh là là. C'est quoi ? Digdouk Raverim. Digdouk Raverim. Digdouk Raverim. Digdouk Raverim. C'est aujourd'hui. T'as vu ? Les Plaïm. Les Plaïm. Bah, au Raverim. Je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ah non. Ah, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est ça, 11. Digdouk Raverim. Il a fait mes autres. Donc c'est mamash le tikkun. C'est Hachem qui nous dit je suis avec vous là. Ouais. Je suis avec vous. Ramage. Regarde, on a parlé de ça, c'est sorti ça. C'est mamash le. Ah voilà, il va conclure. Là, alors maintenant je conclue. Les sikkum, Bezrat Hachem. Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend. Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend que tout ce qu'un homme il parle dans la journée autour de lui. C'est équivaut à la sphira du jour de la sphira Taomer. C'est-à-dire si Gvura, Netzar, Od, Yesod, etc., etc. Apparemment, ça nous emmène nulle part cette parole. Apparemment, d'après le Ari Akadosh. Puisqu'on l'entend pas, puisqu'on nous amène un peu. Ouais, on ne sait pas quoi faire avec. Même si tu le comprenais, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ouais, qu'est-ce que tu fais ? T'as compris, tu sais. T'as compris ce qu'elle t'a dit la journée ? Ouais. Bah, c'est, tant mieux, t'as compris ce qu'elle t'a dit. Ouais, mais tu fais quoi ? Bah c'est ton Igbo des doutes, donc tu comprends c'est quoi. Ah, attends, non, attends, sans Igbo des doutes. Pour l'instant, t'es dehors. C'est t'es... Alors, je fais ce que je veux. Alors, ouais, alors. Exact. Alors, Rabbeinu, il dit, viens, et Rabbi Nachman, il vient, il dit, en vérité, c'est quoi cette parole ? Cette parole, elle nous dit quelque chose d'autre. Elle nous dit quoi ? Elle nous dit, on ne parle pas des gens qui parlent dehors, qui parlent entre eux. On parle quand un homme, il parle avec Hachem. Quand un homme, il parle avec Hachem, Hachem va l'emmener dans ses paroles de parler exactement les choses là où il a endommagé. Dans ses propres sphirotes. Ce que toute l'année tu ne peux pas faire, ce que toute une vie tu ne peux pas faire. Parce que jamais tu sais où Chas Veshalom t'a fait des problèmes. Tu sais pas, dans des mondes, tu sais pas, dans des Gilgoul avant, tu sais pas. Quand un homme il va parler pendant la sphirat HaOmer, Hachem, c'est comme si que Hachem, il t'écrit sur. Voilà, c'est ça les paroles exactes qu'il faut que tu dis. Tu dis ça, t'es tout blanc, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et ça se passe. Tous les 49 jours de la Sfira Tomer en fonction de la Sfira qu'il faut exactement. Et ça c'est un chidouche qui est énorme. Et donc, ça c'est une chose. Deuxième chose qu'on a appris aussi, c'est tout le Inyan des 49 Kinyané à Torah, qui sont comparés, mamash, à la même chose pour qu'on puisse recevoir la Torah. Et aussi c'est le Dibouk Raverim, de essayer de se renforcer énormément dans l'amour l'un envers l'autre. Alors, c'est quoi l'amour l'un envers l'autre, mes amis ? C'est quoi l'amour l'un envers l'autre ? Vous savez, mes amis, je suis obligé de vous dire, on est obligé peut-être, on va faire peut-être une série de cours de Ahavat Haverim. C'est quoi Ahavat Haverim ? C'est quoi ? Vous croyez que Ahavat Haverim, c'est d'inviter quelqu'un au café le matin ? C'est aussi ça, oui, c'est aussi ça. Tu viens, on se fait un petit café, on se fait un petit hamburger. Ben, mec, c'est mamage ça. Ça commence par ça, c'est certain. Mais il n'y a pas que ça, mes amis. Un vrai Ahavat Haverim. Et ça, je vais vous dire quelque chose. Celui qui ne le fait pas, Hachem, il est très, très... rigoureux. Non, il est très... déçu. Déçu. Très, très triste, si on ne le fait pas. Et ça, je vais vous dire un secret. Ça, ce que je vais vous dire là, c'est le test. Est-ce qu'on est des gens vrais ou on est des pipomanes ? Mais mec, Paka. C'est mamache le test, vous savez c'est quoi ? Les bois, c'est pas les vrais amis, c'est des gens qu'on veut pas. Les bois, c'est... Quand fallait être là ou quoi ? Pas pour nos amis. Hachem, il dit, mais tout ce que tu m'as demandé, tout. C'est beau, tu m'as demandé des très belles choses. Pas de colère, être gentil avec ma femme, être un bonhomme, un tzadik, garder mes yeux, garder mon brit. C'est beau, mais t'es seul dans le monde. Tu penses qu'à toi, y a que toi.
assis avec toi. Bah, je vais vous raconter une histoire et je vais terminer avec ça. Non, termine pas, prends ton temps. Pour les autres, bah, pour les autres. Pas prêt de prier pour son ami. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'apprendre. Écoute un beau ridouche. Écoute un beau ridouche. Tout le monde connaît l'histoire du goy. Tout le monde connaît l'histoire du. Tiens, tu peux mettre un peu de limone et un peu d'eau. Une belle histoire du guerre. Le goy qui vient dans la maison de Beth Shammai et il dit: apprends-moi toute la Torah sur un seul pas. Qu'est-ce qu'il fait Beth Shammai? Il lui donne une gifle, il lui dit: dégage. Il va chez Beth Hillel. Bonjour Beth Hillel, apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. Qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? Il lui dit: ce que tu aimes pas qu'on fait, qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Quand la Gemara, elle raconte cette histoire, il y a une guerre dans la Gemara sur cette histoire. Quoi? D'abord, pourquoi il s'est intéressé à lui, Beth Hillel? Ça veut dire quoi de se mettre sur un seul pied? Est-ce que c'est ça toute la Torah? Est-ce que... Comment il a fait? Pourquoi? Pas mal, on va dire, ouais. La Gemara, elle dit, mais on comprend pas, c'est quoi le Inyan? Pourquoi c'est... Il y a plein de réponses. Une des réponses qui est forte et qui est balèze, et il dit là-bas comme ça: comme c'était un goy, de base un goy, à part lui, il voit rien dans le monde. C'est la nature humaine. C'est sa nature. Non, mais c'est la nature humaine globale. L'être humain, il se voit que lui. C'est normal. C'est comme ça qu'Hachem nous a créé. Mais le juif, il a une autre qualité. C'est quoi? Il sait regarder un peu plus que lui. Il regarde à son ami, il aide, Tzedaka, Gmilutra, Sadim. Ça va mon frère, comment ça va? C'est bien. Il a vu que l'essentiel problème de ce goy, c'est juste qu'il se voit lui-même au moment où il va switcher comme le juif. De regarder un peu plus loin, tout va rentrer en ordre. Alors il lui a dit quoi? Il lui a dit: ce que t'aimes pas qu'on fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Il lui a fait créer, il y a des autres dans le monde. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? L'aile, tout le reste, c'est des détails. Sinon, on reste soi-disant que focalisé sur soi-même, même pour la Kdoucha, la Tahara. Eh frérot, c'est pas ça un juif. Un juif, il demande: j'ai entendu que mon ami, il a des petits problèmes, Hachem. Moi, je sais pas, hein, je connais pas, mais je sais qu'il est un petit peu en difficulté. J'ai entendu qu'un tel est un petit peu malade, Hachem, fais s'il te plaît que ça soit facile pour eux. De prier pour sa femme, pour ses enfants. Pas des prières générales. Yeshuat Israël, Hachem. Il y a une prière, mes amis, dans le Kolbo Yeshuat. Il y a une prière, ça s'appelle une prière pour la délivrance du Ham Israël. C'est au moins une fois dans l'année. Non, une fois dans l'année au moins. De la lire. Pas que ça soit des pages. Tu sais, le livre quand il est noir ici quand tu. Et là, tu sais, il est tout blanc. Jamais tu as lu le truc. Jamais. Pourquoi? Fais-le au moins une fois dans l'année. Quand tu n'as rien à faire. Tisha B'Av, Yom Kippour, je ne sais pas quand. Parce qu'elle est belle, celle-là, il te dit. Mais Fadaï, qu'elle est belle. Il n'a pas des enfants qui les enlèvent. Juste les enfants que tu puisses leur donner pour voir. Mamache, tout ce que tu as besoin. Et là, Béhémet Hachem, il dit: il pense pas qu'à lui. Alors je vais lui donner. Tu sais que la tefila de Rabbi Elimelech Milizen, c'est pareil. De la même. Exactement. C'est meilleur. Nahon. La prière de Rabbi Elimelech, elle est très grande. Mais de toute façon, c'est ça l'ignam. Quand tu pries pour les autres, c'est toi qui reçois d'abord. Et en plus de ça. Et t'es gagnant des deux côtés. Il faut penser à l'autre pour que ça. Ouais. Non, Vadaï. Parce que ça aussi. Ouais, on connaît, ouais. Ah, on connaît. On t'a dit critique. Papa, j'ai pas eu toi. Il attend ça. Dans la tête. Ouais. Attention, ça c'est Géchia. Ça c'est. Mais tu doutes. Non, faut penser à l'autre. Zéo, au Nigma. Faut penser à son voisin. Et fais pas ton à ton prochain. C'est peut-être ce que t'as pas envie qu'on fasse. Je crois pas. Mais c'est possible qu'il se soit garé comme un. Avec son tank. Voilà, Bezrat Hashem. C'est plus ou moins les petits points comme ça qu'on doit prendre pour Spirata Homer, Bezrat Hashem. On va parler trois fois du Kolbo aujourd'hui. Ouais. D'accord. Magnifique. Bon, Hashem. Très bien.